Aujourd'hui, face à l'Europe et face à Macron, la colère est grande. Trop d'injustices et d'inégalités, trop de concurrence, trop d'ultra-riches qui se gavent au détriment du plus grand nombre, trop de fermetures d'usines, de services publics sacrifiés, de menaces sur notre environnement. C'est beaucoup trop. Mais aujourd'hui, notre espoir est grand. On dit que les Français sont réfractaires au changement, alors que c'est tout l'inverse. Nous voulons du changement. Il est temps de tout changer, avec vous, avec nous. Le 26 mai, une élection, un seul tour à la proportionnelle. Chaque voix compte. C'est notre moment. Nous sommes des hommes et des femmes qui se battent tous les jours pour faire en sorte que l'injustice sociale recule. C'est ce que nous voulons pour la France et pour l'Europe. Avec votre bulletin de vote, vous pouvez faire de moi la première ouvrière à siéger au Parlement européen. Nous sommes la gauche authentique, honnête, sincère, celle qui n'a jamais trahi. Nous sommes la liste du monde du travail. Nous sommes les femmes et les hommes réfugiés en France et qui constituent une richesse culturelle pour le pays. Nous sommes les ouvriers qui se battent pour le maintien des emplois et des usines en France. Nous sommes les soignants, les infirmières et les médecins qui luttons pour sauver des vies et le service public. Nous sommes les enfants d'immigrés sans voix qui nous battons aujourd'hui pour que les jeunes aient la parole. Nous sommes les paysans qui se battent pour une agriculture pérenne au service des hommes et de la planète. Nous sommes les sans-abri qui combattons au nom du logement d'abord. Nous sommes les syndicalistes et nous œuvrons sans relâche pour défendre vos droits. Nous sommes les élus à vos côtés pour la justice sociale, la démocratie, l'environnement et la paix. Nous sommes la seule force politique de gauche à avoir rejeté tous ces traités européens. Nous avons perçu très tôt l'ADN libéral de cette Europe qu'ils nous ont construite. Nous considérons que l'Europe mérite mieux, que nous voulons aujourd'hui porter les valeurs de justice sociale au Parlement européen. Nous sommes les routiers, les coursiers, les étudiantes, les retraités, les résistantes, les artistes, les héros ordinaires, les travailleurs. Et nous tous, nous nous opposons à l'Europe de l'argent, car nous sommes l'Europe des gens.